Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le blog uTips. Aujourd'hui, on va voir comment désactiver un programme qui se lance à chaque démarrage de votre Mac. Peut-être que ça vous agace que certains programmes se lancent tout seuls au démarrage. On va voir toutes les méthodes pour les désactiver. Donc la première méthode la plus simple, si par exemple vous avez un programme qui se lance automatiquement au démarrage, c'est peut-être que dans le clic droit ici dans le dock, dans Options, il y a l'option Ouvrir avec la session qui est cochée. Donc il suffira de décocher cette option dans le dock pour qu'il ne se lance plus au démarrage. Alors si l'option n'est pas cochée et que le programme se lance quand même au démarrage, on va aller vérifier ici dans le menu Pomme, Préférences Système. Vous allez cliquer ici pour vérifier s'il n'y a pas dans les agents d'ouverture ici le programme qui est coché qui va se lancer au démarrage. Donc vous pouvez masquer des programmes à l'ouverture de session. Il suffit de la sélectionner et de cocher la case, mais ça ne va pas empêcher qu'il se lance. Donc si vous ne voulez vraiment pas qu'il se lance, vous allez cliquer sur le moins ici pour pouvoir le supprimer de la liste. Donc ça c'est une chose. Ensuite, autre chose à vérifier, certains programmes, toujours dans les préférences système, viennent s'immiscer dans les préférences système. Vous voyez, c'est le cas de tous ces programmes que j'ai ici. Je vais vous donner l'exemple de celui-ci. Au démarrage, vous voyez qu'il se lance automatiquement, il suffit de décocher cette case et j'ai aucun autre moyen de le faire, hein. C'est parfois la seule manière de désactiver le lancement d'un programme au démarrage. Donc voilà, c'est un exemple, il faut aller vérifier dans les préférences système si les applications ne vous ont pas rajouté des menus, allez cliquer ici et désactiver les options. Si tout ça ne suffit toujours pas, il y a peut-être une chose toute bête que vous n'avez pas pensé, c'est quand vous cliquez sur redémarrer pour redémarrer votre Mac, il y a une option qui est peut-être cochée, rouvrir toutes les fenêtres à la réouverture de session. Donc si elle est cochée, forcément, toutes les fenêtres qui étaient ouvertes avant de redémarrer vont se réouvrir au prochain redémarrage. Ça peut être très pratique, comme ça peut être très pénible, donc là c'est vraiment à vous de voir. Et si malgré tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, il y a encore des programmes qui se lancent au démarrage, allez vérifier dans les préférences de votre programme, hein, je pense notamment à Microsoft Word. Mais il y a une dernière solution, c'est d'utiliser par exemple Clean My Mac. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé sur le blog de Clean My Mac, mais c'est un super outil pour ça. Il permet de faire beaucoup de choses, mais notamment il y a parfois des extensions ici. Si vous cliquez sur extension dans Clean My Mac, les agents d'ouverture ici, ils n'apparaissent pas forcément tous dans les préférences système et vous allez pouvoir désactiver certains éléments ici qui vous embêtent grâce à Clean My Mac. Donc si vous ne connaissez pas Clean My Mac, je vous ai mis le lien sous la vidéo pour pouvoir télécharger la version d'essai ou l'acheter. C'est vraiment un excellent outil d'entretien de votre Mac. Si vous voulez voir les vidéos également sur Clean My Mac que j'ai déjà fait sur le blog, je vous mettrai également les liens sous la vidéo. Voilà, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.